Eh bien bonjour tout le monde, c'est Mika, comment allez-vous les amis? Pour ma part ça va super bien, on se retrouve sur une nouvelle petite vidéo sur Farming Simulator 2017 et aujourd'hui les amis, présentation de nouveaux véhicules qui viennent d'arriver. Alors ce sera présentation de deux véhicules plus un troisième que vous avez déjà vu, mais il y a une V2 dessus, donc bon, voilà, je le présente encore une fois pour être sûr de bien l'avoir présenté. Alors ces véhicules là auront plusieurs petites caractéristiques, on pourra faire plusieurs petites peintures dessus. Alors je m'entends quand je dis ça, plusieurs petits skins du coup d'entreprises différentes ou d'entreprises de travail différents dessus. Je tiens aussi à remercier tous les créateurs et les mappeurs et en même temps ceux qui mettent les 3D en place et ceux qui nous font don de leur 3D aussi d'ailleurs par la même occasion. Merci aussi à vous, j'ai oublié de vous préciser dans le défilé du 14 juillet et je me suis rendu compte effectivement à la fin que j'aurais dû y penser. Voilà, chose faite, chose faite. Alors, je viens de voir ça, je viens de découvrir ça. Bon, voilà. Je vois sûr que c'est pas là où on va. Du coup, sans plus tarder, les amis, on va y aller. Bien évidemment, les modes sont privés et resteront privés. Du coup, je tiens à le préciser encore une fois. Voilà, c'est parti. Alors il y a de quoi présenter. J'ai déjà vous présenté le 2C4 Picasso. Donc vous avez déjà vu, mais il y a une vidéo dessus. Donc je préfère les représenter. Donc sapeur-pompier du coup. Médecin, protection civile. Et des secouriers formés. Alors je trouve tellement beau un C4 comme ça, le skin est tellement bien fait. Celui-là ça va, mais alors celui-là je le kiffe. Hop. Je vais vous montrer les gyrophares du coup. De toute beauté, n'est-ce pas? Et vous avez l'autre à côté. En tout cas, les deux sont magnifiques. Bon, du coup, cela c'est fait. Voilà, c'est pareil. Et nous, ceux qui vont nous intéresser, ça va être la nouvelle 508 et la nouvelle petite Passat. Merci à Tanguy d'ailleurs, du coup, pour la confiance et pour la 3D donnée. Petite 508 reskinée en plusieurs versions, vous avez le choix. Vous avez le choix en version TMP. Dire le service hein, pour le coup vous avez la version TCAM service technique pareil avec derrière la petite light bar de feu de protection qui est très importante sur les véhicules. Et là, vous l'avez en plusieurs petites versions. Alors, attendez voir. Vous l'avez en bac. Enfin, oui, on va dire en bac. Si, on peut dire en bac. Vous l'avez en bac ici. L'intérieur. Avec l'effet de protection à l'arrière. Le gyrophare, je sais plus si on peut le cacher, voilà. Donc ça peut servir comme une voiture ministérielle aussi, hein, d'ailleurs, accessoirement. Les petits feux. La version
présidentielle pour le coup. Pareil, on peut mettre le gyrophare sur le toit ou le descendre. Avec. L'effet de protection. Vous avez la TCAM. Donc en taxi. Donc là, il n'y a pas grand chose à voir, hein, effectivement. Et vous avez la version brigade de nuit. Avec les feux. C'est pas le monde autant, mais. Après, je mettrai un peu de couleur. Je mettrai un peu de jour, comme ça on les verra un peu mieux. Hop là. Et du coup, en passette, vous avez celle de la TMP. Deuxième taxi. Vous l'avez donc pareil en bac. Ou autre, après on n'est pas obligé de dire que c'est la BAC. Vous l'avez en convoi ou comme vous le sentez. Hein. Je crois que j'ai sorti deux fois la même, c'est pas grave. Vous l'avez en brigade de nuit. Du coup. Bon, je vais tout vous allumer pour que vous voyez en même temps. Ça rend plutôt joli. Et alors deux jours, je vais vous le montrer. Voilà. Deux jours, vous voyez comme elles sont jolies, en gris comme ça. C'est une GT, hein. Je tiens à le préciser quand même. Regardez voir. Il y a quand même un bon petit truc, hein. Il y a quand même un bon petit délire. La Passat est magnifique. Même les TMP elles sont jolies, hein. Les taxis sont jolis aussi. Tout est joli sur ce pack. Voilà, ça, c'est du joli travail. Encore merci à toutes les personnes qui travaillent avec nous tous les jours sur les mods et qui y font de si beaux véhicules. Et c'est vrai que d'ici ça clignote plutôt pas mal. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Je ferai bientôt une FAQ si jamais, je vous le dirai quand. Et puis d'ici là, portez-vous bien.